Je m'appelle Angelina Ballerina. J'ai hâte de rentrer à la maison car j'ai une très 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 grande nouvelle à annoncer à ma maman. Maman, Pauline, je vais être première danseuse dans le prochain ballet de l'école. Angelina, ma chérie, c'est merveilleux. Tu vas danser à l'école avec un ballet? Il s'agit d'un ballet classique, un spectacle de danse, et je serai celle qui va danser le plus. J'aurai probablement un magnifique solo, deux peut-être. Et quand je saluerai le public au final, j'aurai droit à un tonnerre d'applaudissements. Angelina! 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 Angelina, vas-tu être une jolie princesse? Une princesse de conte de fées. En fait, mon rôle est celui d'une fée qui va devenir princesse car elle est la meilleure danseuse de la forêt. C'est une forêt magique. Et toi, tu es une fée? Je peux être la première danseuse du ballet, moi aussi. Désolée, Pauline. Il n'y a qu'une seule première danseuse dans un ballet. Mais peut-être que quand tu seras grande, tu pourras rentrer dans le corps de ballet. La corde à ballet? Hein? Le corps de ballet, c'est le nom que l'on donne à la troupe de danseurs qui dansent en groupe. Cela fait plein de nouveaux mots. C'est parce qu'il existe des danseuses et des danseurs de toutes les sortes. Je voudrais déjà être là-bas pour travailler ensemble sur de nouveaux pas. Tous mes amis s'échauffent, on est prêts pour le spectacle. On se sent bien, nos familles seront là. Les danseurs doivent bientôt se préparer car tout le monde viendra nous encourager. Faut mettre nos chaussons et aussi nous habiller. Tout le monde en scène, on va s'amuser et danser le plus beau ballet du monde. Le public en sera ébloui. Il faut y mettre son cœur et nous serons les meilleurs. Notre ballet sera merveilleux. J'y suis déjà quand je ferme les yeux. Bravo! Tes amies sont-elles aussi de premières danseuses? Je suis la seule première danseuse, Pauline. Mais Lucie a son propre solo et Alice doit danser un duo. Et Victoire, elle va danser? Victoire ne veut pas danser. À la place, elle préfère peindre le décor. C'est comme peindre un tableau. Mais en beaucoup plus grand. Comme ça doit être beau. Les enfants, voulez-vous que je vous raconte une histoire? Elle s'intitule L'oreiller magique. Oh oui, oh oui, s'il vous plaît. Le ballet que nous allons présenter a pour personnage principal la fée Fougère. C'est la meilleure danseuse de toute la forêt enchantée. La grâce de Fougère attire l'attention du prince des lutins. Celui-ci offre de nombreux présents à la fée. Hélas, cela suscite la jalousie d'une autre fée. Moi? Jalouse? Elle ne supporte pas l'indifférence du prince. Elle fait donc, elle aussi, un cadeau à la fée Fougère. Un oreiller magique. Et dès l'instant où Fougère pose sa tête sur l'oreiller, elle entre dans un sommeil très profond et nul ne peut la réveiller. C'est sa malédiction, elle ne pourra plus jamais danser. Oh! Elle ne pourra plus jamais danser? Oh non! Cela ne va pas du tout! Si nous allions prendre un yaourt fouetté chez Madame Jeannette. Oh oui! Sais-tu si elle a de nouveaux parfums? Oui, tu dois goûter celui à la Mademoiselle! Qu'y a-t-il, Angelina? Je me demandais, pourriez-vous demander à quelqu'un d'autre de faire la fée Fougère? Mais tu es parfaite pour ce rôle. C'est la meilleure danseuse de toute la forêt. Et tu es l'une des meilleures danseuses de ma classe. Je sais, mais... Fougère est agile, vive. Je sais, mais... Fougère est courageuse et intrépide. Et toi, tu n'as jamais peur de rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si j'ai le rôle de la fée Fougère, j'ai peur de ne pas pouvoir danser beaucoup. Mais tu es la première danseuse. Oui, mais je m'endors et je ne pourrai plus jamais danser. Je préfère être un esprit de la forêt.
Ou un arbre enchanté et faire partie du corps de ballet. Je pourrais être une libellule aussi. Pourquoi une libellule? Il n'y a aucune libellule dans ce ballet. Je sais, c'est pour cela que je ne peux pas jouer le rôle de Fougère. Il vous manque une libellule. D'accord, Angelina. Je te fais une promesse. Si tu ne veux toujours pas du rôle de Fougère après la répétition de cet après-midi, tu auras celui d'une libellule. Chouette! Mais tu dois me promettre en retour de rester jusqu'à la fin de la répétition. Croix de bois, croix de fer! Tu comprendras alors combien ton rôle est important et combien il est amusant de raconter une histoire en mettant tout le monde à contribution. Bien, commençons la répétition. Nous allons d'abord écouter la musique. Entendez-vous les violons? Oh, on se croirait dans une forêt magique. Exactement. Les violons plantent le décor. Il était une fois une forêt noire et enchantée. Et dans cette forêt vivait... Une fée nommée Fougère? Un arbre enchanté. Pour commencer, deux échappées sautées s'achevant en cinquième position. Dans cette forêt vivait aussi... Une fée nommée Fougère! Un esprit de la forêt. Alice, tour de l'arbre en pas chassé, s'achevant en quatrième. Ensuite, toutes les créatures magiques de la forêt font leur entrée. Sauf toi, Angelina. Et forme une joyeuse farandole. Pourquoi tout le monde est-il si joyeux? Ils sont joyeux parce que la fée Fougère est là. Ah, c'est moi! Mais j'ai à peine dansé. Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Ce n'était que l'introduction, Angelina. Et elle est finie. Mais surtout, ne pars pas, Angelina. Les amis de Fougère ont des cadeaux à lui faire. Que les lutins s'avancent, ainsi que l'arbre et l'esprit de la forêt, pour faire une ronde en bourrée autour de Fougère. N'aurait-on pas parlé de cadeaux? C'est au prince des lutins d'entrer en scène. Pour moi? Merci beaucoup. Oh oh! Pourquoi la musique s'assombrit-elle? La méchante fée va faire son entrée. Avec l'oreiller magique? Exactement. Tu vas le toucher et vite t'endormir. Non, Angelina, ne t'enfuis pas. Prends l'oreiller. Il le faut vraiment? Maintenant, tu poses la tête sur l'oreiller et tu t'endors. Mais je ne suis pas fatiguée, mademoiselle. Angelina. Oh. Angelina, mais que fais-tu? Tu es censée dormir. Je suis somnambule. Les fées ne sont pas somnambules. Si tu dors, c'est parce qu'on t'a jeté un sort. D'accord. Je ne pourrai plus jamais danser. Je ferai aussi bien d'aller aider Victoire dans les coulisses. Ce n'est pas juste, Victoire. Dans ce ballet, tout le monde danse, sauf moi. Alice est un esprit de la forêt. Moi, je n'ai rien d'autre à faire que dormir. Il faut voir le bon côté des choses, tu sais. Dormir, ça permet de rêver. Mais moi, je ne veux pas rêver. Je veux danser. Tout comme toi, tu voulais peindre. Oui, je sais. Et je m'amuse comme une folle. Oh. Oups. Eh bien, ce n'est pas drôle d'être la fée Fougère. J'ai le pire rôle de tout le ballet. Tu peux peut-être l'échanger avec un autre rôle? J'ai essayé. Mais mademoiselle Mimi m'a fait promettre d'attendre la fin de la répétition. Oh, si seulement il pouvait aller un peu plus vite. Thank you.
Angelina, Angelina, veux-tu revenir sur scène, s'il te plaît? Tes petits amis de la forêt t'ont cherché partout, tu sais. Ils veulent lever la malédiction. Lever la malédiction? Ça veut dire que Fougère va se réveiller enfin? Mais oui. Si elle veut bien s'endormir d'abord. Aucun problème, regardez. Alors là, félicitations, c'est très convaincant. Vous êtes prêts les autres? À vous de jouer. Et maintenant? Maintenant, tu sautes sur tes pieds et tu danses. Et je danse? Oui, tu danses. Tu danses et tu danses et tu danses. Bravo, Fougère. Que l'arbre enchanté et l'esprit de la forêt prennent la main de Fougère et dansent avec elle. Entendez-vous la musique? Elle monte en puissance. Cela veut dire que le prince va arriver. J'ai dormi et encore, et maintenant, je danse et je danse et je danse. Mademoiselle Mimi avait raison. Mon rôle était aussi important que tous les autres rôles. En dansant ensemble, nous avons raconté une histoire prodigieuse. Et après tout, c'est cela le plus important.